présentons aujourd'hui des nouvelles turbines entraînées hydrauliquement avec une grande aspiration d'air qui permettent aujourd'hui d'avoir un débit d'air égal du point haut au point bas de la machine. Nous avons différentes hauteurs de turbines associées à la hauteur de végétation à traiter. Chaque turbine donc est indépendante l'une de l'autre. On a la possibilité de faire varier la vitesse de rotation de chaque turbine, de chaque élément, fonction de l'épaisseur et la densité de végétation à traiter. Par rapport à ça, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nos turbines, donc entraînées hydrauliquement, sont très peu énergivores, donc une puissance, une demande en hydraulique vraiment très faible. Ce qui veut dire qu'un coût de pulvérisation avec ce système-là est très peu élevé aujourd'hui. Je peux te dire également que cette machine ne fait très peu de bruit, donc on peut aller traiter près des habitations sans problème. Et nous avons également une qualité de pulvérisation dite irréprochable, auquel on a rajouté pour cette nouvelle campagne un nouveau panneau récupérateur, la première génération de panneau récupérateur Weber, qui nous permet de récupérer en début de végétation 80% du volume épandu, et en fin de végétation, en pleine végétation comme maintenant, où on va récupérer 10%. Donc ça fait une moyenne linéaire sur l'année de 40% de récupération, ce qui est relativement intéressant. Chaque panneau donc sont démontables, ce qui fait que l'utilisateur a la possibilité de démonter le panneau s'il ne souhaite pas l'utiliser en pleine végétation. Mais on s'aperçoit que ce confinement de panneaux récupérateurs améliore encore la qualité de pulvérisation de nos machines Weber. Ces modules de pulvérisation sont montés sur une rampe repliable en portefeuille. On s'aperçoit que c'est la plus rapide du marché en termes d'ouverture-fermeture. Donc, pas de perte de temps en bout de rang. Cet ensemble est monté sur un châssis cuve galvanisé, entièrement aux normes, sur robogie et bien pensé. Nous avons aujourd'hui une machine de pulvérisation digne de son nom.